les gestionnaires et même les employés ont plusieurs résistances à donner de la rétroaction ou encore du feedback. On se sent malhabile, on trouve ça délicat. Parfois, on a plus de facilité à donner du feedback orienté vers la promotion que du feedback orienté vers le changement. Mais ce que j'aimerais que les gens apprennent, c'est que donner de la rétroaction, c'est comme apprendre une nouvelle langue. Au début, on se sent un peu maladroit, on s'enferge, on trouve ça difficile, mais on peut la pratiquer et devenir de plus en plus efficace. Donc, il faut surmonter ces résistances-là. C'est une langue qui s'apprend. À la fois donner du feedback orienté vers la promotion, ce qu'on appelle souvent du feedback positif, et du feedback orienté vers le changement, ce qu'on appelle souvent du feedback négatif.